les 40 jours. After you have the grace, Amen. You went, it can d'autres bring your experience. Mon ministère, ça ne va pas. Je conseille aux gens d'entrer dans la présence de Dieu. You have to be in the presence of God. C'est quand Dieu appelle, il bénit. Quand Dieu appelle, calls, he blesses. La seule chose, the only thing, qui envoie l'onction, that brings anointing, c'est la prière. It's with prayer. Amen. Amen. Ils sont restés pendant 10 jours. They stayed for 10 days. Ils ont reçu la plénitude du Saint-Esprit. They received. Ils ont commencé à good. Amen. Opportunity. Vous savez, quand tu es rempli du Saint-Esprit, when you are filled with the Holy Spirit, on sent moins de zèle. We feel in you. Qui a envie de parler de Jésus. The one who is proud to speak about Jesus. Vous voyez une personne. If you see someone. Qui a honte de parler de Jésus. Who is ashamed to speak about Jesus. Qui a honte de témoigner de Jésus. Who is ashamed to give testimony of Jesus. Rempli du Saint-Esprit. That person is not filled with the Holy Spirit. On dit Amen. We say Amen. Quand quelqu'un est rempli du Saint-Esprit. When someone is filled with the Holy Spirit. Parler de Jésus. And that person is speaking about God. C'est zèle. De parler de Jésus. Yeah, this person je comprends les personnes qui se mettent dans la rue en train de parler de Jésus. I can see some people speaking about God in the street. Je les comprends. Quand le Saint-Esprit est descendu sur les disciples, when the Holy Spirit the disciples, ils ont commencé à parler. They started speaking en langue. In other languages, j'ai une manifestation, a demonstration, la puissance de of the power of God. Les gens compris, people start to understand that something was happening in this endroit, in place. Il y a quelque chose qui t'en est passé. Something was happening in that place. Something. Tout le monde est venu. Everything came. Et everyone. S'est levé, a commencé à parler. And people standing up. Amen. Speaking about God, il dit, écoutez très bien. And they say, écoutez très bien. Listen to me very carefully. Ne vous effrayez pas. Don't be afraid. Ce qui est en train de se passer. What is happening? C'est simplement. It's simply la prophétie. The prophecy. La prophétie. The prophecy. Des jouets. Of joy. Qui est en train de se réaliser. That is le chapitre 4, le chapitre 2, verset 14. Alors Pierre two, verse 14, se présenta avec les onze devant la éleva la voix et parlait aux Juifs. Ces gens-là ne sont pas ivres. Ils pensaient qu'ils étaient ivres. People thought that they were drunk. Ils sont tous ivres. C'est ce qu'ils disaient. Ils ne sont pas ivres. They are all drunk. They used to say. Comme vous le supposez, car c'est la troisième heure. Il était déjà 8 heures. La troisième heure. It was 8 o'clock, but the third hour. Amen. Mais c'est ainsi que se réalise la prophétie de Joël. Or, dans le verset 17, il dit, dans les derniers temps, dit Dieu, je répandrai de mon esprit, je répandrai mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Amen. Le verset 18. Oui, suis mes serviteurs, suis mes servants, car ce jour-là, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Amen. Amen. Là, il va s'élever pour dire, ce qui est en train de se passer, what is happening here, tu es en train de réaliser la prophétie God de Joël. Is realizing or, selon l'histoire biblique, ce n'est pas tout le monde qui avait le Saint-Esprit. Not all people avant Jésus have the Holy Spirit. Before la manifestation avec les prophètes. The demonstration with the prophets. La Bible dit qu'il fut saisi du Saint-Esprit. The Bible says le Saint-Esprit venait souvent sur les prophètes. Taken by the Holy Spirit. Et ils prophétisaient, puis le Saint-Esprit retourne. And then the Holy Spirit went back. Amen. C'est la différence. That il n'était pas habité par le Saint-Esprit. He did not live with the Holy Spirit. Il venait souvent sur les prophètes. The Holy Spirit came on them. Donc avec la prophétie. So that to demonstrate. Et puis and then it comes. C'est que Jésus lui restait. That's why Jesus said, I promise you the Holy Spirit. What is happening? La promesse de Dieu. It is the promise of God. When you have the Holy Spirit, choses doivent changer dans ta vie. Things must change in your life. Il y a des choses qui doivent plus te surprendre. Things must not surprise you. Il y a la manifestation des dons. The demonstration of the power of God. Quand on va commencer, il a dit, vos jeunes gens prophétiseront. When he started this, he used to say, young people will start giving prophecies. C'est un don puissant. A prophecy qui nous parle des choses à venir. A great power coming from des God. Choses qui doivent arriver.
for things that are going to happen. Or, quand on est rempli du Saint-Esprit, but when we are filled with the Holy Spirit, things must not surprise us. Ou bien, because Jesus is present. Amen. Amen. Dieu doit te remplir de son esprit. God must fill you with his spirit. And so that people can have visions. Brother, we have to enter another dimension. It's really interesting. God is real and powerful. God is so powerful. We don't serve God in the weakness. Because God demonstrates his power. The apostle Paul says, s'il est dessous, mais aussi dans une démonstration de la puissance de Dieu. Amen. Nous sommes l'ère de la démonstration. We are in the time of demonstration. C'est pas une question de prendre la Bible. It's not a matter of taking the Bible. C'est une question de faut démontrer aux gens. It's a matter of demonstrating to people. Et que Dieu est Dieu. That God is God. Avec des preuves palpables. With a proof. Vous devez prouver ça. You have to show it. Amen. Amen. Ton voisin a des enfants malades. Your neighbor has some sick kids. Tu démontres la puissance de la guérison. You have to demonstrate the power of curing. Alléluia. Amen. Amen. Dans une église, in a church, au Cap Vert, le Seigneur s'est manifesté terriblement. J'étais en train de prêcher sur the Lord demonstrated his power powerfully. Amen. J'étais tellement sur l'onction. I was anointing, et j'ai touché une jeune sœur, and I touched a young lady. Dieu m'a dit, voici ce qui te donne. And the Spirit said, la sœur, this is what I gave to you. Pendant 3 jours, vide du Saint-Esprit. And for 3 days, she stayed. Elle ne peut pas manger, elle ne peut pas boire. Drunk with the Holy Spirit. Elle parle en langue pendant 3 jours. And speaking in other languages for 3 days. The fourth day, that situation stopped. Dès qu'elle descend l'église. When she went out from the church, she could give you real prophecies. Amen. Amen. Elle m'approchait un matin. She came near me. One day, j'étais dans l'église, mon père spirituel. I was in the church of my godfather. Elle m'a expliqué deux jours ce que mon père devait me confier comme une mission. What my godfather had to give me a vision. With the time, minute à la pluie, and then a minute to say that she was born. 2 jours après, 2 days à la after, même heure, at the same time, je suis parti du don de la sœur. I was really convinced of the gift. J'ai commencé à l'approcher tout de suite. And I started it. Alléluia! Alléluia! J'attends, puis j'attends, hein. J'attends, puis j'attends. Je suis parti. I was very pleased. Elle a dit à son mari. She said to her husband. Tu sais, you know, je viens d'avoir une révélation sur toi. I just come to have a revelation. Ce soir à 10h, tu vas faire un accident. C'est pas la peine. Tonight at 10 p.m. you're going to have an accident. And her husband is a pagan. Il a parlé de ça. He didn't take it. À 12h, il vient esparadrap sur visage. C'est bandé. And then at night, on est les momies là. C'est ta tête est bandée. He had an accident. Il dit toi bouchonné, t'es sorcier, t'es sorcier. Now he said to his wife, you speak like sorcier because your wife is not a good one. Elle a dit ne bouge pas. Si elle était sorcière, elle m'a dit. She told you to stay. And you didn't stay. You didn't believe. J'étais tellement ébahi. I was really happy. Et ça commençait à prendre toute l'église. And everybody in the church started hearing these news. Son mari s'est converti au travers du don de sa femme. And then his wife, his husband, her husband started converting himself. Amen. Amen. Non, il y a des dons, frère. Il faut que Dieu te bénisse. Amen. God must bless you. L'église a besoin de ça. Donc, pour un témoignage de la puissance. To give the testimony of the power of God. Nous avons besoin de ça. We need it. C'est ça que depuis 3 semaines, nous that's why for 3 weeks we are claiming. Nous réclamons la puissance de Dieu. Fasting. Et des fois la puissance. The power of God. You know the power of God. Ils m'ont balancé un élément vidéo sur le Facebook. I saw a video. J'ai vu un policier. On Facebook. Qui I saw a policier. Un voleur. Il a touché le mur.
un policier est dans la délivrance d'un possédé. A policeman obéissant bring chasser les démons un voleur. That's to commit the devil. Commanding the devils. Il est policier mais il est un policeman. But he was delivering people. You are eating placali and even people infiltrating your husband. You cannot speak. When you see fire, nothing can happen. You don't fast. When they see food, they cannot fast. When they're trembling. Or, oh, ce qui a dit l'onction, c'est ça. What brings anointing? Le jeûne et la prière. It is the fasting and prayer. Le jeûne et la prière. Fasting and prayer. Alléluia. Un petit démon vient la autorité sur ton mari. Small devils comes and have power on your husband. Pour ton mari. You cannot pray for les your husband. Prend le contrôle de ton foyer. The devil takes control of your house. Contrôle de ta maison. Take control of your house. En toi. Because nothing in you. When you say in the name of Jesus, but you break your mind. You are a witness of Jesus and you are filled of food, of meat. Amen. Amen. Il est vraiment important pour nous de chercher la présence de Dieu. It is really important for us to look for the presence of God. Cherche avant l'onction. You are in service. You have to look for your anointing. Tu oublies de mettre au sommet. When you have anointing, parce que les gens t'occupent que ce qui est en toi est différent de ce qui est en eux. Everything. Quand les gens complotent contre toi, when tu es obligé de te montrer ça dans une vision. I'm fighting against you. Quand les gens complotent contre toi depuis le village, tu es obligé de te montrer la chose. God will give you the vision when people ta vie est entière, c'est chaud bouillant. Et le diable ne peut rien contre toi. The devil did not anything, nothing. Ça bannit en toi la peur. And then destroys in you the fear. Et l'apôtre Paul dit, Pierre dit, nous n'avons rien. Peter says, ce que nous avons, we don't have nothing. Nous te le donnons. But points. What we have, j'ai quelque chose is what we are giving back to you. And what you have, Masar, is the Holy Spirit. Il nous faut le Saint-Esprit. We need the Holy Spirit. Il te faut la puissance de Dieu. You need the presence of God. Il te faut la puissance de Dieu. You need the presence of God. Tu n'arrives pas à contrôler cette situation. You don't count the control. You don't control your parce life. Que tu n'as pas la puissance du Saint-Esprit. Because you don't have the control of the Holy Spirit. Et ta parole n'a plus d'autorité. And your word has no authority. The devils no more afraid you. Tu n'as plus de temps la prière. Tu ne because pas. You don't pray. Amen. C'est vrai que vous enviez ceux qui ont l'onction, mais il y a un prix à payer. You like people who don't have anointing. Amen. J'avais nu le prix. But de 1h jusqu'à 4h, 5h du matin, je suis en genoux. Après every night, prix, je... praying. Amen. Amen. J'ai un prix à payer. There is something to pay for anointing. On ne s'élève pas quand j'ai un prix à payer, frère. Something to pay. C'est vrai que dans un premier temps, tu seras persécuté. Les gens diront tout ça. You'll be persecuted. Mais reste dans la prison. The first days. But when you stay in the power of God, reste dans la présence de Dieu. Stay in the power of God. Amen. In the presence of God. Il cherche des personnes, il cherche des gens. God is looking for people. Il cherche des femmes. Looking for women. Il veut s'investir dans des personnes. He wants to invest in our church. Mais ne trouve pas. But it doesn't fall. Les gens n'ont plus le temps de la prière. Ils n'ont plus le temps. People doesn't have time for prayers. Consacrer la prière. They don't have time for praying. C'est ça, frère. Yes. Donne du temps à Dieu. Give your time to God. Prie. Pray. Ayez vu la prière. Entre dans la you must have a prayer life. Vous allez voir des choses. Looking for God. Ils vont se produire dans many things will happen in your life. Dans la semaine. In this way, you must have fasting prayer and be in the presence of God. Si vous descendrez le manteau de la puissance de Dieu, if you see, I mean, the power of God, alléluia, amen, if you can see the power, alléluia, amen. Le pasteur me fait prêcher. The pastor me fait prêcher. Je prêche la parole de Dieu, mon père spirituel. I preach. Oh, il y a un pasteur. In Capua, when I went, qui n'aime pas ma manière de faire. And one of them, il dit quand moi je prêche, tout le monde attend. Qui n'aime pas ça.
When I pray, everybody down. He didn't like it. Donc c'est devenu objet de beaucoup de persécutions. And from that period, many persecutions. J'ai pris la Bible. I took the Bible. Je m'approche. Je lui ai dit, je ne peux pas prêcher. And I told him that sans que je ne vois plus ces manifestations. I couldn't preach. No. Without seeing demonstration of God. Si Dieu te manifeste, moi c'est qu'il est absent. If God demonstrates His presence, les gens sont possédés. People are possessed. Non, c'est pas la paix, ça salit les gens. Je lui ai dit, tu sais, tes histoires bizarres. Faut quitter devant moi. Amen. Out of my face. Il a contaminé les gens, tout ça. The pastor, il Cap Vert. Il a fait 3 jours. Je lui ai dit, tu m'as appelé ou tu m'as pas appelé? Le monsieur, il faut lui montrer que tu m'as appelé. Amen. J'étais en train de prier pastors. Chacun dimanche dans la semaine. Dans yes. Je prends la Bible. For the moment, for all of us. J'ai fait adorer, j'ai fait. Tout le monde a commencé à adorer le Seigneur. People started worshiping the Lord. Il y a des gens dans l'adoration. On adorait le Seigneur, il était tellement merveilleux. And we worship the Lord. J'ai dit aux gens, Amen. And I said to people, j'aurais dit, asseyez-vous. Tout le monde est assis. J'aurais dit, tu es là. Amen. And I told them, God is present. Je l'ai appelé. God is here. Viens. I called him. Il dit, lui, viens. The pastor persecuted him again. Viens, je dis à tout. Dès qu'il est arrivé, il dit, command, les tombés. And when he arrived in my face, Amen. I commanded. Le tombé est tombé. He fell down. Il veut s'élever. Command, il tombe. He wanted to stand up. Il veut coucher. Command. Once. J'ai pas dit, ah, puis rentre. Vous savez, quand vous avez cet esprit, quand when you have the Holy Spirit, l'esprit, whatever you say, obligé d'agir. Can execute everything you say. Je l'ai fait trembler, tourner. Je le regarde, je souris. I made him turn around. Et nous, voyez, he was suffering. Tout le monde dit Amen. And I said to the people, look at here, God is present. God is here. Il m'a cherché, il a trouvé. Amen. He was looking for me, non, il n'a pas trouvé. C'est le même groupe. It's good. Et je suis le Saint-Esprit. And I told him, receive the Holy Spirit. He started trembling. Je l'ai fait en Brésil. C'est quoi? And I said, Ambrosino, the pastor, in Cap Vert. He said, forgive me. He was drunk with the Holy Spirit. Pardon. Le troisième dimanche, c'était son tour. The third week, la prochaine semaine, il dit, c'est qui le pastor? C'est une décharge électrique. What is in you? Is an electric discharge. Et j'ai pensé que c'était amusement. I thought it was joking. J'ai pensé que c'était amusement. I thought it was joking. Quand il commandait sur moi, j'ai voulu lui dire, c'est quoi ça? When he commanded on me, I fell down. J'ai dit, mais ça veut dire quoi ça? And I said, what's happening on my face? Non, j'ai cherché l'onction. Amen. I'm trying to look for anointing. Je l'ai préparé. Je l'ai enseigné les techniques de l'onction. I taught him. Quand il a pris la prédication. When he started preaching, sa prédication a changé. His prédication changed. People, everything were moving around in that church. Frère, bro, il faut la puissance de Dieu. You need the power of God. Il nous faut la puissance de Dieu. We need the power of God. Et quand on a la manifestation de la puissance, when we have the demonstration of the power of God, les démons ne peuvent pas nous résister. The demons cannot resist. Alléluia. Amen. Amen. Un jour, j'ai fini de prêcher. One day, I finished praying. Sous la puissance de Dieu. Je suis allé dormir chez moi. J'avais I went to sleep. Un banc, long banc, près de l'église. With a long chair. Je me suis reposé sur le banc. I rested it. Quand j'ai fini la réunion, ils m'ont réveillé. We finished the meeting. Pour aller prendre la voiture. We're going to take the car. J'étais en train de causer avec le pasteur. I was just discussing with the pastor. Trois personnes sont venues s'asseoir. And 3 persons came to sit down. Dès qu'un a mis les fesses, à peine. As soon as they sat down, they fell down. Quand tu le vois, commencer à parler en langue. On the chair, starting speaking our languages. Les gars sont sortis, c'est quoi ça? People went out and saying, what's happening here? Il y a un qui a touché le banc. One of them touched. Si, lui parle en langue. The chair. Frère,
Il te faut la puissance de Dieu. Brother, you need the power of God. Il te faut la puissance. You need the power of God. Il te faut la manifestation. You need the demonstration de la puissance of the power of God. Amen. Amen. Soyez des témoins de Jésus. Be witnesses of Jesus. Nous allons tous fermer la bouche aux mystiques ici en Côte d'Ivoire. We are going to close the mouth of mystic people in Côte d'Ivoire. Il faut que Dieu descende. God must come down. Que les gens comprennent que l'Église so a un pouvoir. Must understand that church has power. God has power. Nous devons manifester la puissance de We Dieu. We have to demonstrate the power of God. Amen. Amen. Rentrons tous à la présence de Dieu. Et cherchons be in the presence of God, looking for His face and claiming His glory. Toi qui m'écoutes, c'est possible. You are listening to me. C'est possible que Dieu te donne des dons. C'est possible que tu sois encore en God can give you la présence de you Dieu. Can be filled with the presence of God. Amen. Amen. Je sens l'onction sur moi. I feel the anointing on you. Dieu va nous bénir aujourd'hui. God is going to bless us today. Amen. Amen. Alléluia. Je veux voir les femmes en train de guérir les malades. I want to see women curing people. Je veux voir les enfants qui parlent en langue. I want to see children speaking in other languages. Les enfants qui défient. I want to see children defying mystic. Parce qu'il habite ici toute chair. On every flesh. Je répondrai de mon esprit. Amen. I give. Amen. My. Dieu va te bénir ce matin. God is going to bless you this morning. Alléluia. Amen. Qui veut être béni? Who do you want to be blessed? Je veux une église bénie. I want to be a blessed church. Je veux des puissants. I want to see some power. Des dons qui vont me battre. On a l'idée de prendre des dons de vision dans l'église. Et puis tu es une church where we can have, where we can find visions. Il n'y a pas de seul problème ici. So now people can say, oh, Prophet Pastor, I don't know. Mais vous tous, vous sortez Eating and sleeping. Dieu faut qu'il vous utilise aussi. God must use you. Ne venez pas seulement des spectateurs dans cette église. Don't come here only with spectators. Demandez des dons à Dieu. Demandez aussi des dons. Ask God some. Il faut que Dieu vous utilise. Parce que nous sommes tous l'armée de Dieu. Nous sommes tous des soldats de Jésus. All are God's armies and soldiers of God. Donc Dieu te donne des dons de guérison, des visions. God must use the power to cure people. Amen. Amen. Dieu à quelqu'un, c'est possible. Say to someone, it's possible. Alléluia. Dieu à quelqu'un, c'est possible. Say to someone, it's possible. Alléluia. C'est possible. It's possible. C'est possible. It's possible. Oui, c'est possible. Yes, it's possible. C'est possible. It's possible. Dieu à quelqu'un, c'est possible. Say to someone, it's possible. Amen. Amen. Dieu à quelqu'un, c'est possible. Say to someone, it's possible. Dieu veut te bénir. Dieu à quelqu'un, c'est possible. God wants to bless you. Say to someone, Dieu va te remplir de son esprit. God is, mon Dieu va te remplir. God is going to fill you with his Holy Spirit. De sa with his presence. De sa présence. With his presence. De sa présence. With his presence. De sa présence. With his presence. Il faut que Dieu nous donne les dons. God must give us presence. Dieu à quelqu'un, c'est possible. Say to someone, it's possible. Amen. Je veux l'expérience. Viens dans spirituel, je vais une expérience. I'm going to give you an experience. Viens ma fille. Viens ma fille. Lève ta main droite. Non, mets-toi comme ça. Non, mets-toi comme ça. Mets-toi comme ça. Oh, oh, oh. Suivez ici, suivez ici. Je vais une expérience. Et c'est quelque chose. I'm going to have an experience. Que tu vas avoir. And it's something that you're going to have. Je vais parler au bras. I'm going to speak to your hand. Stay correctly. Je commande à son bras droit. I command to your right hand. De se lever doucement. To stand slowly. De se mettre en l'air. And to stay up. I command. Je communique quelque chose à son bras. I communicate something with his hand. Power in the hand. Vous savez ce qui va se passer dans la vie de Dieu. Do you know what is going to happen in your life? C'est un don de guérison qui a commencé. C'est un don de guérison. Oui.
C'est un homme de guérison. A caring talent. L'apôtre Paul dit. Apostle Paul used to say. À Timothée. To Timothée. Ne néglige pas le don. Don't neglect the talent. Ma prophétie. Of my prophecy. Regardez ce qui va se passer. Look, somebody is going to have. Je vais maîtriser l'onction. I'm going to master anointing. Stop! Stop! Viens. Yeah. Yeah. Madame, non, c'est qu'elle est derrière. Elle a un problème d'enfantement. Tu vas voir l'enfant. Viens. Yeah. Regardez. Non, regarde, s'il vous plaît. Please look at him. Viens. Attention. Stop. Touch your stomach. Touch your stomach. Touch your stomach. Touch your stomach. Elle te communique la grâce de Dieu. She's communicating you the grace of God. Go back to your stomach. Dieu me dit, pendant qu'elle touche ton ventre. When touching your stomach. Un, deux, trois. Le cinquième mois. One, two, three. Ce ventre va four, five. The fifth month. The deeper to him. Qu'est-ce que tu as senti? How do you feel? Hein? Une bruit bouger dans le vent. Très bien. Come back and touch your stomach. Dieu. Go. Un. Un. One. Deux. Two. Trois, three. Quatre. Four. Cinq, five. Le cinquième mois. The fifth month. Elle va tomber enceinte. You'll be pregnant. Come! I come in. Bien prends l'onction. Bien. Touche. Que tu vas parler en langue, tu vas avoir des prophéties. You're going to have prophecies. Dieu me dit, il va te donner les puissances dans des prophéties. God is going to give you the power to prophesy. Je veux une église puissante. I want a strong church. Une église où Dieu se manifeste. A church where God can demonstrate his power. Je vois comme Viens. Il y a un oiseau qui est blanc-noir, comment on l'appelle? Ah, un corbeau. Je vais mettre en boucle. Tu as chié ce papier, c'est parti. I saw a bird on your head. Come! I come in! Hey! Go! I come in! Donc là, t'as joué l'onction. Touche! 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 Allez!